Et bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de notre Beta Weekend 4 sur Icarus. La dernière fois, on avait récupéré le satellite, aujourd'hui on continue l'aventure. Allez, en route. Quand c'est pas près de la maison, que c'est pas un endroit qui reste, où on reste à l'arrière, c'est bien de laisser des cadavres. Les prédateurs vont dessus. Oui, plutôt que d'aller sur nos cadavres à nous, qui sont encore chauds et vivants. Et vivants. Ah, ça re-ramouille là. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est peut-être l'endroit, on était à cet endroit là tout à l'heure quand ça a ramouillé. Quand je vous vois passer devant là, j'ai des... On était à peu près là tout à l'heure quand ça a ramouillé. Il y a un truc ici. Et là, ça s'est recalmé. Et j'ai ma courbe de GPU qui fait des petits pics à 100%. Et ouais, sinon, là, c'est revenu à 50%. Tranquillou. Ça doit être la map qui fait ça. Les endroits de la map. Mais du coup, ça impacte vachement le stream sans m'impacter particulièrement moi dans le jeu. Donc c'est... Si ça pouvait impacter un petit peu moi et un petit peu le stream, ça serait mieux. Est-ce qu'on a besoin de d'oxyde tant qu'on en a plein là? On en a encore pas mal aussi à la maison, mais bon, on paye pas de pain. Un petit caillou. Par contre, il y a du loup dans le coin. Hein. Voilà, comme ça, je suis à 116. Donc, c'est encore 118. Bien, là, on continue au nord. Ah non, faut repasser en dessous de la formation rocheuse. Faut passer en bas, là. Ouais, si. Soufre. Ah oui, c'est en bas. Ah oui. Un petit peu de place pour du lys, mais je prends du lys. Ah mince! T'es à combien? J'ai un kilo. Attends, je dois avoir des trucs. Je peux prendre un kilo si tu veux. Ça je peux jeter. J'ai un kilo 5 en trop. Moi je peux prendre. Je peux prendre un kilo 5. Voilà, kilo 2. Hop. Ah mince, encore un. Non, moi je suis trop. Suis trop là. Bon bah c'est un soufre, c'est pas grave après. Il y a deux soufres. Les deux qui sont là, quelqu'un peut les ramasser? Moi je suis plein. Je peux pas. Je suis à 117A mais je sais pas où vous êtes, du coup j'ai avancé. On est juste au-dessus de la formation rocheuse, ouais. Ah non mais j'ai des cailloux. Attends, non, laisse, c'est bon. C'est bon, ok. Ouais, je suis plus qu'à 115. J'avais du caillou. Ouais, là je suis à 119,8 donc... Je peux plus... Donc là, ouais, faut avancer par là. On fait le tour comme à l'époque quand on rentrait à la maison. Ce sera une sortie rentable hein, si on rentre tous bien remplis, plus le satellite, c'est bien. Ouais, mais du coup, le satellite, c'est dommage qu'il n'y en ait qu'un. Ouais, mais ça doit donner la récompense pour toute l'équipe. Parce que quand on regarde le résultat de... d'expédition, ça prend toute l'équipe. D'accord. Mais ça, tu as un objet sur toi ou... Ouais, c'est ouais, juste j'ai, un, j'ai un bio-warhead, outil de terraforming ou arme biologique catastrophique, vous déciderez. Il y a encore du soufre ici. Hein. Ouais. De gisement. Je suis à 118, je vais pas en prendre plus. Vous avez tracé tout le monde? Non, non, on était derrière toi. Ah d'accord. Un petit peu. Je suis à 119,5, c'est vrai, j'y arrive. Quand je cours, ça a du mal. Ah oui, quand là, ça a eu du mal. Ça me refait des pipiques, hein. Niveau GPU, c'est pas cool. Et là, ça bloque à 80%. Attends, là, ça me fait un pic à 100%.
Oh, ça fait moins d'une heure qu'on est reparti, non? Ouais, ouais. Ouais, même pas. Ça m'énerve. Alors, on se refera une pause pour à la maison. Histoire de vider la mémoire. Alors, est-ce que c'est... ce qui est bizarre, c'est que c'est, ça me fait juste des petits pics au niveau GPU. Et rien d'autre. C'est pas associé à des pics CPU et... Est-ce que c'est du mal à charger les textures? Peut-être. Mais je suis repassé en high pour les textures, donc elles me prennent moins de place que en épique. Ah, les respawns d'animaux doivent être un peu plus corrects, sur moins de bêtes, à tous les points, points de rochers. Bah, tu sais ce qu'on fera, je pense. On ira faire les grottes qui sont de l'autre côté du pod. Ah oui, sur la zone de départ, ouais, tout à fait. Il y a l'autre entrée du biome hiver. Ouais, la P11, tu l'avais fait, je pense, mais il y a O12... et N12 à faire. Peut-être qu'au 11, on l'avait même pas fait. Je sais plus si on l'avait fait au 11. Au 11 et P11, on les a fait. Ouais, on les a fait. Au 11, c'est sûr. P11 aussi. Si, si. On au avait... 9, c'est sûr. Mais par contre, au 11, j'ai un doute. Si, on a fait au 11. C'est celle qu'on a fait en dernier hier. On était allé faire au 11. Capo nous avait déchargé un peu. Et ensuite, on est allé faire P11 dans la foulée. D'accord, donc ce serait peut-être. On va aller faire au 9. Alors au 9, je sais pas. Moi, j'ai pas fait. Si je l'ai pas fait tout seul, c'est sûr. J'ai pas souvenir de l'avoir fait au 9. La N12, vous l'avez faite, la N12 du sud? Non, il faut qu'on fasse celle qui est à la limite de O12 et il faut faire la N12. Du coup, comme ça, on pourra déposer les trucs dans le pod. Au passage, ouais. Alors attends, je pose tout ça là. Alors, on n'avait plus du tout de fer. Parce qu'on en a un peu ici. Ah mais attends, je peux peut-être relancer un peu d'acier là avec le fer. T'avais besoin de fer? Non, il y en a assez de fer. Là, il y en a assez pour faire 50 balles de plus chacun, je crois, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Non, il y en a 100, donc ça fait 100 balles. Ça fait 25 de plus. Mais il reste encore du fer si Capo il a pris tout ce qu'il avait besoin. Je t'ai dit, moi pour l'instant je fais plus rien, vous pouvez utiliser le fer. J'ai mis dans la machining de quoi faire 50 balles de plus chacun. Mais du coup, faudrait voir si t'as, avec ce qui reste de fer là, ouais, si tu. Ce que tu peux faire en termes d'acier. Bah, là, il y a de quoi faire 200 balles dans la machine. Oui, ça fait 50 de plus chacun. Ouais, ouais, d'accord. Bah, au pire, ce que j'aimerais à la base, enfin, quand ce sera possible, c'est 16 lingots d'acier et 36 lingots d'alu pour faire deux arcs, un pour... L'alu, t'as tout ce qu'il faut. C'est un pour moi. Ouais, non, mais c'est pour faire les arcs recourbés. Pour les meilleurs pour chasser, quoi. Ouais, ouais. Fait. Il nous reste un peu de fer. Elle est partie où ma bouffe? Ah non, il est là. Ce sera 8 vis d'acier, de l'époxy, 36 lingots d'alu et 16 lingots d'acier. Okay. Pour faire deux arcs. Parce qu'après, oui, j'ai les armures en carbone. Mais là, c'est de la fibre de carbone, il en faut beaucoup. Alors,
j'en étais où? Ah oui, il fallait que je relance l'acier. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui pourrait être sympa de se faire? Alors, on n'a pas du tout accès au tier 4. C'était quelle table que tu voulais faire, Capot, avec l'acier? Avec l'acier, j'avais besoin... Le four à gaz, un petit peu ça. Ouais, le four à gaz, ouais. Four à gaz, c'est derrière le kitchen... À gaz, ouais, ok. En cas, 20... 24 d'acier plus 8 vis. D'acier. Après, il y a des trucs à tester aussi. On a le frigo, je crois, non? Oui. Il est où le frigo? On va dans la glace et on ramène pas mal de neige, ça pourrait être bien. Icebox. Le déshumidifier, on n'en a toujours pas fait. Ouais, mais déshumidifier, c'est les 20 électroniques qui sont. Ouais, je sais, ouais. Compliqué à faire. Le composteur de carburant pour faire du carburant, je sais pas à quoi il sert par contre le carburant. Ah. Ça. Pour à gaz peut-être. Tu as le biofuel lamp. Parce que tu as les bidons de carburant. Ah oui. Et attends, ton four à gaz, il est biofuel powered. Ah d'accord. Donc il faut le biofuel composteur. D'accord. Ouais, donc ça fait beaucoup de craft. Ça fait que 20 lingots de fer le biofuel composteur, hein, donc c'est pas non plus la mort, mais... Non, on en est que pour le week-end, là, on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai, non. Du coup... Ouais, par contre, on n'a plus beaucoup de viande, si. On n'a plus de poisson, je vais aller pêcher un peu, peut-être, pour la prochaine expédition. Bah, la prochaine expédition, c'était de descendre faire les grottes et puis aller voir... L'article, bah éventuellement nous on va faire les grottes pendant que vous pêchez. Et puis après on va aller faire un petit tour dans l'article du sud pour voir la tête qu'il a. On va peut-être poser nos fusils et le rue pour avoir un peu plus de poire. Non? Oui, on peut. Ça pèse combien un fusil? Bah un c'est kilo. Un kilo, ouais, ça va. Hein. Ouais. Un kilo et 400 grammes pour les balles. Ouais non, c'est bon. Parce qu'il va nous encombrer plus. Ça sera N15 pour le satellite. Ouais, ok, c'est là. Ah, oublie pas de recharger ton oxygène. Ouh, oui, bien vu. On va manger un peu de viande. On boit un coup. Ah, par contre, j'ai plus de trucs pour la pneumonie. Il en reste plus qu'un. Il t'en reste, toi, des trucs à peu... Moi, il m'en reste deux. D'accord, donc je prends le dernier. Et puis après, bah, on attaquera les gros, hein. Tant pis. Je prends un stack de viande avec nous. Ok. Ok, ok. J'ai des baies aussi. Non, j'ai des os qui ne me servent pas. Je vais ranger ça. J'ai de la fourrure et du cuir qui servent pas. Je suis à quel poids? Je suis à 26 kilos. Sachant que ouais, j'ai un petit peu de bois, mais ça peut être pratique pour... Voilà, je suis à 25 kilos. Ouais, je suis prêt. 18 kilos, ouais, ça devrait le faire. Ah, attends, faut que, avant que j'oublie, il faut vraiment que je répare ma pioche. Il lui reste plus que, même pas de 2%. Je suis à la moitié, donc je vais pas la réparer encore. Voilà. Mon arc, il est bon, mon fusil, bon, tout est bon. Et je vire mes baies, je les remets dans le truc de cuisine. J'en ai gardé 25. Tu nous as pas fait encore de confiture, Capot? Je peux pas, il faut des lingots de fer, je t'ai dit, pour faire la confiture. Mais les lingots de fer, tu peux y aller maintenant. Ouais, je peux y aller. Ouais, il en reste normalement 40 et des bananes, donc... Direction sud, Odos.
Oui, je te suis. Ah, tu... Attends. Il te restait pas mal. Il te restait beaucoup de flèches. 84. Ok, bon, c'est bon. Je pourrais t'en passer si t'as besoin. Ouais. Moi, je m'en reste 24. Ah, attends, ce que j'ai pas pris. Oui. Pourquoi est-ce qu'on va passer à côté des pods? Ah, oui. On t'en poser tout de suite, ce sera fait. C'est ça. Ah, il y a un loup juste à côté de la base. Ah ben. Tu l'as eu? Ouais, dans l'oreille. Poser sur la table vite fait. Ouais. J'y vais en marchant. Direction sud. J'arrive. Tu suis ou... Je suis juste derrière toi. Ah, ok. Donc je peux tracer. Ah, il y a encore du souffre là, dis donc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un souffre par ici. Il a du repop, lui. On avait pris tous les souffres par là. Je sais pas du tout. Ah. Je fasse attention quand je peux. Ça c'était la grotte qui était en face. Donc, tu sais, on avait fait cette grotte là qui était en face de là où je cherchais. Et ensuite on était allé entre les deux morceaux de rocher là pour faire celle de... Ouais, celle qui est derrière là-bas et celle qui est derrière là-bas c'est celle qui est en P11. Ok, ça. D'accord. Donc ça veut dire je crois qu'on n'a pas fait celle qui est tout au nord. Tout au nord je pense pas. Ouais. Alors là il y a un pod mais je crois que c'était pas le mien celui-là. Oula. Non, c'est pas le mien. C'est pas le mien non plus. Il y en avait deux près du lac. Là, je crois que c'est le mien. On dirait que c'est le mien. Oui. Ouais, après, il y a le mien et celui à Capo. Non, je peux pas interagir. Ah bah, c'est le mien alors. Ouais, c'est le mien celui-là. Tiens, c'est celui de gauche. Oui. Celui de gauche. Merci. Hein? What? Non. Bah tiens. Pourquoi je peux pas le mettre dans le... Ah bon? Bah, quand je fais tes calls, il en veut pas. Et si t'appuies sur le bouton à droite, là? Retourne machin à... Return to station, ça me fait décoller. Ah ouais, d'accord, bizarre. Je peux pas mettre dans ship cargo. Bon bah tant pis. On va quand même faire les grottes, hein, on est venu pour ça. Alors. Donc il faut continuer vers le sud, il y en a une qui sera sur notre gauche. Ouais. Dans le petit canyon. Côté du lac, normalement. Oh, il y a plein de soufre de l'autre côté du lac. Waouh! 1, 2, 3, 4. La vache. Ça va, les chasseurs? Ça va. Hein. On va péter pour boire un coup et remplir la gourde. Je reviens deux petites secondes. Ok. À toutes. Ah, c'est bien là-bas. Non. Ça devrait être dans le coin là. Oui. Pardon.
on avait testé la dernière fois le régénération past qui faisait pas grand chose. Là, c'était le boost past qui fait pas grand chose non plus. Il reste plus que l'autre. Ok, j'ai plus ma pneumonie. C'est ma restauration qui peut être simple. Alors attends, je vais prendre une boisson. Enlever la pneumonie aussi, sinon je vais pas pouvoir courir. Voilà. Je me suis pris une petite baie au passage pour avoir un peu plus de stam. Et je descends au sud. Je te suis. J'avais pris tous les talents pour régénérer la stam. Ah, et ça y est, ça se remet à déconner mon. Ah oui, effectivement. Je vais tenter un truc. Vas-y. Voir si ça change quoi que ce soit. Diminuer le réglage de qualité sur le deuxième encodeur. Ah pardon, oui. Mais pas de mal. Donc là, faut aller à l'ouest une fois qu'on a passé le croisement. J'espère juste que la vidéo sera de bonne qualité quand même. J'ai pas l'impression que ça tape trop. Je vais regarder si je baisse la qualité sur le stream. Est-ce que ça... Le pré-réglage de qualité. Est-ce qu'on voit réellement une différence? A priori non. Mais ça frise encore. Mais ça frise encore. Et là je vois, ouais, j'ai un pic à 100%. Activer le mode permanent de death, et puis il a compris que c'était un mode permanent et du coup il frise tout. Ouais. Je sais pas où j'étais cherché cette conne. Je sais pas non plus. Celle-là elle vient de loin. Attends, est-ce qu'on est au bon endroit là? C'était un peu tiré par les cheveux. Ça me dit quelque chose, mais je me demande si c'est pas en bas là dans. Juste en dessous de la corniche. Il y a plein de. En dessous. Peut-être. Peut-être descendre par là. Ouais, descendre. Aïe. Je suis descendu trop vite. Pas ici. Non, je pense que c'est par là. Je vois un truc qui ressemble à une grotte Lodos, direction ouest. Ouais, je te suis. Ah oui, effectivement, ouais, c'est ça. Du coup, bah, on va prendre du soufre sur ouais, on en a. Ah, tiens, regarde. On est juste à un côté. Vous êtes allé sur laquelle Là, on était en N12. C'est bon. Il y en a plus par ici, hein. C'était la dernière. Ouais, après c'est l'Arctique. Ah, on peut aller jusqu'au. Oui, il y a celle tout au nord, au 9. Il y a un peu de soufre ici. Je crois que j'en ai vu un de l'autre côté aussi. Non. Ah, j'ai plus de stam. Bah non. Ah, 120 kilos. Oups. Je mange un bout de viande. Tu veux un bout de viande? Oui, je veux bien. Ah, je t'ai tout largué. Oh,
Je suis à 119,9, donc garde. Ouais, ben, je suis à 119,6. Bon, bah. Voilà. Je t'avais dit qu'il fallait tout garder. Et donc, l'entrée de l'Arctique, normalement, c'est pas loin. Pas loin là-bas. Ouais. Tu veux qu'on aille voir ? Juste le. Ouais. Vous êtes combien ? Quoi ? Et... En combien vous êtes ? En N12. N12. N. Oui, N12. C'est quoi ça ? Ça ressemble à une grotte, ça ? Non, ah, ça bah dans les objectifs, ouais, ça, ouais. Ça nous marque bien dans l'objectif qu'on l'a eu. Hein, le... Ah ouais ? Ouais. Quand tu vas sur la map, regarde l'objectif. Ah oui, effectivement. Ah oui, génial. Génial, génial. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas pu le poser dans le pod. Ah ! Boulet. Oui. Non, j'ai... C'est quelque chose de trop. J'ai ramassé une baie. Ah, je suis au lac des pods. Ah, il y a plein de soufre autour du lac des pods. Hein. Et donc c'est par là l'Arctique. On dirait bien. Est-ce qu'il y a des loups level 500 par groupe de 2000? Oh punaise. Oh, une cascade, c'est tout mignon. Une cascade? Ouais, nord-ouest. Derrière les arbres. Décale-toi sur la gauche. Là. Ah oui. Ah oui, joli. Oh, il y a une grotte. Même pas de partir. Ouest. Ah oui, je te vois. Est, pardon. Oula. Mais là, on est plein. Oui, mais ça n'empêche pas de regarder ce qu'il y a dedans. De voir si elle est intéressante ou pas. Craquer. Oula, elle descend, celle-là. Ouais. De l'or, tu... Ah bah, j'ai plus de torche. Bon, tant pis. Attends. Bouge pas. Ah, j'ai plus assez de fibres. Mince. J'ai jeté la moitié de mes fibres et j'ai plus assez pour tuer. T'as de la fibre ? J'en ai... Ah oui, j'en ai 16. Ouais, ça devrait être... Oui, c'est bon. Ah. Oh, merci. Minor Shower, ça va. T'es où, Capo ? Tu venais voir ou... Je suis au bord de... Je suis le long de la petite rivière qui va vers le sud à partir du lac des Pôles. Une petite rivière qui serpente, là, qui va vers le sud. Ouais. Du charbon, de l'aluminium. Ah, j'ai c'est fait... un peu le même, c'est la même grotte que juste avant en fait. J'ai fait deux scouts. Ah oui. Ouais. Bah, elle est un peu intéressante. Bah, sauf bah, je vais à la grotte que vous avez faite juste avant, je pense. Je vois pas de fer, Godos, tu en as vu ? Pour l'instant, j'en ai pas vu. Je vais descendre par le côté. Attends, non mais Podos. Ah, il y avait l'accès. On peut traverser la montagne. Non mais en fait, on est dans la... on est dans la grotte où on était tout à l'heure. Ah bon ? Ah oui, on est revenu en arrière. Je sais pas comment on a fait notre compte. Je sais pas du tout. Je suis à la grotte au 12 moi. Ah bah ouais, je suis on est Podos. Bonjour. Coucou. Bonjour. Comment on a fait ça ? Attends. Je sais pas comment on s'est débrouillé là, on a tourné en rond. Ouais, il fallait aller plus vers le sud là-bas. Ah oui, on est... Oui. Elle démarre juste là, la tempête. Non, elle vient de commencer. Il y a encore un gros nuage un peu plus loin.
Ah mince. c'est le nuage de la fin un peu plus loin. Soit t'es dans la grotte, soit t'es explosé, c'est embêtant ça. Non, moi j'arrive à trouver un spot là où je suis pas exposé et je suis pas dans la grotte. Ça dure quelques secondes moi et je suis exposé. C'est au millimètre hein. Mais là je suis ni exposé ni dans la grotte. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!